Good morning and good afternoon and good evening everyone and Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde à cet événement aujourd'hui de la Banque mondiale qui commémore la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Je m'appelle Louise Cord et je suis la directrice mondiale durabilité et inclusion à la Banque mondiale. Aujourd'hui, je vais être votre modératrice pour cette discussion. J'ai les cheveux courts, les cheveux bruns, j'ai une écharpe rose. Et avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs fonctions qui sont disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, des sous-titrages en anglais. En bas de votre écran, nous avons également l'interprétation disponible en français et en espagnol. Pour pouvoir avoir accès à l'interprétation, veuillez cliquer sur l'icône Monde en bas de votre écran. Je vais vous demander également d'utiliser le chat le plus possible parce que nous souhaitons avoir une séance la plus interactive possible aujourd'hui. Nous avons des modérateurs qui gardent l'œil sur le chat, donc n'hésitez pas, tapez toutes les questions que vous pourriez avoir dans le chat. Et nous avons également des sondages, un sondage en direct auquel je vous invite à participer. Et à la fin de la session, je vais annoncer les résultats. Encore une fois, ce webinaire est enregistré en direct. Et cette semaine, donc, nous rejoignons des millions de personnes à travers le monde et dans les organisations de la société civile pour commémorer cette journée internationale. Le thème de cette journée, c'est nos corps, nos vies et nos droits, ce qui nous permet de mieux comprendre le rôle de la législation dans le développement inclusif. La première étape pour bâtir une société durable est de comprendre les défis institutionnels et juridiques auxquels sont confrontés beaucoup de minorités sexuelles et de genre et qui les empêchent de participer pleinement et de bénéficier à une économie qui soit sur un pied d'égalité. Le rapport de la Banque mondiale intitulé « Égalité des chances pour les minorités sexuelles et de genre » est une étape clé qui nous permet d'avancer vers des sociétés plus inclusives. Clifton Cortes, le conseiller mondial de la Banque mondiale, va nous parler plus en détail de ce rapport. Je remarque également que nous avons un panel extraordinaire avec des représentants des gouvernements, des organisations de la société civile et de la Banque mondiale. Je me réjouis de les écouter et de savoir ce que peuvent faire les organisations de la société civile, notamment pour encourager l'inclusion par rapport au genre et à l'orientation sexuelle et également pour encourager une réforme juridique et réglementaire qui soit pour le bénéfice de tous. Et maintenant, je vous propose de passer à une petite vidéo pour vous présenter les résultats du rapport. Did you know that sexual and gender minorities continue to face barriers? Savez-vous que les minorités de genre et de sexe continuent de faire face à beaucoup d'obstacles, notamment en matière d'inclusion civile et politique? Savez-vous que les minorités sexuelles et de genre sont également victimes de crimes de haine et sont criminalisées pour qui elles sont? Je suis César et je suis ici pour vous parler du rapport sur l'égalité des chances pour les minorités sexuelles et de genre publié par la Banque mondiale. C'est toute une série d'études qui permettent d'évaluer les lois, les réglementations et la manière dont elles affectent les minorités. Et c'est également quelque chose qui permet de braquer les projecteurs sur les effets de la COVID-19 sur les personnes LGBTI. Le rapport utilise 6 indicateurs pour mesurer les lois qui discriminent contre les personnes sur la base de leurs identités sexuelle et de genre dans 16 pays. Criminalisation, accès à l'éducation inclusive, accès au marché du travail, accès aux services publics et protection sociale, inclusion civile et politique et protection contre les crimes de haine. Regardons la situation à travers le monde. Beaucoup de pays estiment que l'égalité de traitement est désirable, cependant, beaucoup n'y sont pas parvenus. Par exemple, des efforts sont faits dans les milieux scolaires pour éviter les intimidations et le bullying. Les
travailleurs LGBTI n'ont pas le même salaire pour le même travail et beaucoup de pays criminalisent toujours et encore les comportements basés sur l'orientation sexuelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons prévenir et éliminer la discrimination et ouvrir la voie à un meilleur avenir. Le rapport propose des mesures pour aider les décideurs à alléger les discriminations. L'égalité des chances est possible. Et ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus inclusif. Merci. J'invite Madame Cliff Cortez, notre conseiller mondial de la Banque mondiale, qui va nous donner davantage de détails sur les résultats du rapport sur l'égalité des chances pour les minorités sexuelles et de genre. Cliff, allez-y. Merci Louise, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous avez déjà vu la vidéo qui explique très bien ce qu'est ce rapport. J'aimerais simplement réitérer que pour la Banque mondiale, les données sont cruciales pour pouvoir défendre les droits des personnes LGBTI et leur inclusion. Et c'est vrai dans les programmes de la Banque mondiale, mais également pour les gouvernements et dans les pays avec lesquels nous travaillons. Et nous avons appris de notre expérience sur les questions juridiques et réglementaires qu'il ne s'agit pas seulement des lois. On peut avoir de bonnes lois sur le papier, mais des lacunes peuvent persister dans la réalité. Mais certes, s'assurer que les lois soient inclusives, c'est une partie importante du travail. L'initiative derrière ce rapport vise à combler les lacunes qui existent, notamment dans le domaine des droits des personnes LGBTI, et il s'agit ici de se pencher sur les différents indicateurs qui ont été présentés dans la vidéo. Dans la première édition du rapport, 16 pays avaient été couverts et on s'est penché sur la diversité géographique, les niveaux d'inclusion, les niveaux de développement économique ainsi que les traditions juridiques. Et c'est comme ça que l'on a décidé quel pays allait faire partie de ce premier set de 16 pays. Après le rapport pilote, nous sommes heureux maintenant d'annoncer l'élargissement de ce rapport. Et ce rapport, cet élargissement va permettre de rassembler environ 60 pays. Et pour la première fois, nous allons également inclure une analyse économique des corrélations entre les données juridiques et les indicateurs de développement économique. Nous pensons que ces données vont nous permettre de montrer, sur la base des données à travers le monde, que l'exclusion est quelque chose de néfaste qui nuit au développement et qui, en fin de compte, coûte de l'argent. Il s'agit également de mettre à jour le type de données que l'on compte collecte pour mettre davantage l'accent sur l'identité de genre et également sur les personnes intersexes. Nous travaillons également avec la Banque asiatique de développement pour ajouter un nombre important de pays de la région asiatique. Il y aura d'autres pays également, mais on se concentre surtout sur la région de l'Asie. Et bien sûr, nous accueillons tout soutien offert par nos partenaires. J'ai déjà parlé de la Banque asiatique de développement, mais il y a le Canada surtout qui soutient très fermement ce programme. L'intégration de ces questions en matière de développement n'est pas encore une réalité à l'heure actuelle. Nous continuons de nous efforcer à atteindre cet objectif à la Banque mondiale et nous allons tout faire pour nous assurer que personne ne soit laissé pour compte pour des raisons telles que qui ces personnes sont ou qui elles aiment. Merci Cliff, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez souligné la qualité de ce rapport et la manière dont cela contribue à la réduction de la pauvreté et à la prospérité commune. Et je me réjouis de cette prochaine phase du rapport où il y aura encore plus de données et où on pourra creuser davantage le lien avec le développement économique.
Je vous présente maintenant Bruno Carrasco, le directeur général du département Changement climatique et développement durable de la Banque asiatique de développement. Il va nous parler brièvement de l'élargissement de cette initiative et de la manière dont la Banque asiatique de développement prévoit d'avancer par rapport à la nouvelle génération de données. Merci, bonjour à tous et tout d'abord, merci de m'avoir invité à cet événement. Je m'appelle Bruno Carrasco, je suis directeur général développement du changement climatique et du département du changement climatique et du développement durable de la Banque asiatique de développement. Commémorer cette journée permet de souligner l'importance du développement inclusif, alors que nous savons que les minorités sexuelles et de genre sont souvent parmi les groupes les plus exclus dans nos sociétés. Inclure ces groupes dans nos programmes de développement permettrait d'améliorer la situation également pour d'autres groupes exclus. J'aimerais également souligner le progrès dans la collaboration entre la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement par rapport à ce rapport. Les obstacles juridiques ont des effets très pratiques qui empêchent parfois l'accès aux services publics et ainsi qu'à des services tels que la santé ou l'éducation. La recherche est essentielle pour la conception de projets et de programmes. Le thème mondial de cette journée internationale, nos corps, nos droits, nos vies, montrent très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'inclusion. Notre stratégie 2030 prend en compte la nécessité de veiller à cette inclusion, mais également d'éliminer les discriminations et les disparités. Créer des opportunités pour ces personnes jouera un rôle fondamental pour avoir une région Asie-Pacifique véritablement inclusive. Bien que les droits par rapport à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre soient importants pour nous, et c'est quelque chose qui est encore en cours, nous sommes proactifs, nous veillons à l'inclusion dans notre région, et des consultations ont été réalisées avec les personnes vulnérables et exclues, notamment les groupes de femmes, les différentes minorités, les personnes vivant avec un handicap et les personnes LGBTI. Et c'est une perspective à la fois nouvelle et intéressante qui va être intégrée dans nos activités. Avant de vous rendre la parole, j'aimerais remercier encore une fois tous les participants au nom de la Banque asiatique de développement. Merci beaucoup de donner de l'élan à cette question de l'inclusion des droits sexuels et de genre. Et j'espère que cet esprit de collaboration va perdurer. Merci beaucoup. Merci Bruno pour votre intervention et merci également d'avoir parlé de l'importance de la collaboration. Et nous sommes heureux d'avoir parmi nos partenaires la Banque asiatique de développement. Je vous présente maintenant nos panélistes. Nous avons Nazli Bala, tout d'abord, conseillère juridique auprès du ministère de la Justice du Kosovo. Nous avons également Jay Gilliam, qui est coordinateur LGBTQI à l'USAID, et nous avons Tarek Zeidan, directeur exécutif de LM, une organisation qui défend les droits et l'inclusion des personnes LGBTI au Liban. Le Kosovo a beaucoup progressé dans l'inclusion des droits des personnes LGBTI. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu plus, s'il vous plaît, de la situation au Kosovo? Merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes le bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous partager le fait qu'aujourd'hui est une date importante qui nous rappelle que nous sommes tous égaux
quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Soyons ensemble face à l'injustice et aux préjugés aujourd'hui et chaque jour qui suivra. En ce qui concerne les minorités de genre et LGBTI, laissez-moi vous présenter la situation de notre État, notamment en termes de législation. Lors du dernier panel auquel j'ai participé avec la Banque mondiale, j'ai noté les étapes très importantes qui ont été entreprises par le gouvernement, dont la codification des droits civils. Pour la première fois, nous traiterons également le thème LGBTI. Et grâce à cela, je pense et nous croyons vraiment que nous pourrons porter à bien le processus législatif pour la protection des droits des personnes LGBTI. En ce qui concerne les minorités de genre, nous avons récemment adopté un document qui a fait l'objet d'un vote. C'est une stratégie et plan d'action national portant sur la violence domestique, les thématiques de genre, ainsi que les droits des personnes LGBTI. Ce document a été adopté pour la première fois au Kosovo. De plus, les discours haineux, l'homophobie et autres types de discrimination ont été criminalisés au sein du système législatif du Kosovo. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce qui compte le plus dans notre pays, ce sont donc ces nouvelles mesures. Il est également très important de les mettre en œuvre la législation actuelle existante afin d'avoir une image très précise de ce que nous devons faire pour intervenir et de ce qui doit être mis en place ou adopté à l'avenir. Je suis consciente que nous ne faisons pas des miracles. Cependant, pour nous, l'égalité et le travail pour l'égalité sont très importants. Et ce n'est pas que pour nous au Kosovo, mais partout dans le monde, nous faisons face à de l'inégalité à différents aspects de la vie. Nous n'avons pas identifié de manière explicite les opportunités d'emploi, par exemple, ou d'éducation, ou dans d'autres aspects de la vie. Parce qu'ici, nous n'avons pas de problème majeur. Nous faisons face au chômage dans son ensemble dans notre pays. Mais force est de constater que le nombre élevé de femmes et de filles au chômage est élevé notamment comme celui des autres minorités. À la lumière de cela, le gouvernement veut prendre des mesures, notamment un pack d'initiatives économiques et de durabilité pour ce pays. Je voudrais conclure ma première question avec ceci. Nous pensons que la codification des droits civils est l'une des initiatives les plus importantes dans le champ juridique. Parce que c'est la première fois que cela arrive depuis notre guerre. Cela nous a pris des années de mettre au point ce document. Et ce qui est extrêmement important dans ce document, c'est que pour la première fois, nous avons des mesures affirmatives dans ce code qui traite donc du thème du mariage entre personnes de même sexe. S'il est vrai que le mariage en lui-même n'est pas reconnu dans le document en l'état, c'est que nous avons d'autres problèmes liés à ce document, mais
Grâce à cette étape affirmative et notamment l'article dans le code, nous ouvrons la voie à l'égalité des droits pour la communauté LGBTI et afin que celle-ci soit mise en place dans le cadre législatif et que les lois soient harmonisées à la Constitution du Kosovo et d'autres lois déjà existantes, telles que la loi sur l'égalité des genres ou la loi contre la discrimination ou la loi contre les violences domestiques, où nous avons ajouté à une composante LGBTI pour la première fois. C'est donc un grand nombre d'initiatives et de nouvelles lois. Et nous pensons que nous en sommes maintenant à la phase de la mise en œuvre, où le grand défi sera la bonne mise en œuvre de ces initiatives. Et nous continuerons à travailler sur ce domaine à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Nazli. Nous sommes très heureux de voir que le Kosovo est en première ligne pour la législation des droits des personnes LGBTI. Je vais maintenant me tourner vers Jake Lam pour poser une question qui est plus ou moins le contraire, parce que dans de nombreux pays, l'histoire est différente de celle du Kosovo, et dans de nombreux pays, les minorités sexuelles et de genre voient une escalation de la violence et de la rhétorique anti-LGBTI. Quelles sont les mesures que prend le gouvernement des États-Unis pour protéger et renforcer les droits des minorités sexuelles et de genre et soutenir les communautés locales? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur d'être ici avec vous à cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, transphobie et biphobie 2022. Merci à la Banque mondiale. Je m'appelle Jake Liam. Mes pronoms sont il et je travaille comme coordinateur LGBTI pour USAID. Nous travaillons dans plus de 100 pays et l'USAID est engagé pour faire avancer les droits des personnes LGBTI et ceci reflète le fait que chaque personne peut aider à transformer sa société. À USAID, nous reconnaissons également que même dans les pays avec une faible protection, les personnes LGBTI+, font face à des taux de violence plus élevés. Avec l'intersectionnalité, ils font face à différents types de phobies et continuent à ne pas avoir accès à certains services sociaux ou bénéfices sociaux, ce qui les enferme dans un cycle de pauvreté extrême et de mauvaise santé. Je voudrais réitérer également les remarques de M. Biden d'hier, notamment lorsqu'il a dit que les démocraties fortes et en bonne santé doivent s'assurer que les personnes LGBTI puissent participer pleinement et avoir accès à tous les bénéfices qui sont disponibles pour les citoyens. Étant moi-même du Texas, je fais écho aux mots du président. Nous ne pouvons pas tolérer les attaques contre nos propres citoyens LGBTI ou contre les autres personnes LGBTI partout dans le monde. Pour répondre à votre question, je voudrais souligner qu'en plus d'une hausse des violences rhétoriques et législations anti-LGBT, nous voyons de plus en plus d'événements choquants tels que l'invasion de l'Ukraine qui met plus de personnes dans des situations critiques. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui font que notre thème d'aujourd'hui, nos corps, nos vies, nos droits, est très à point. Comme vous le savez, l'administration de Biden-Harris est engagée pour protéger les personnes LGBTI et appelle à l'action partout dans les États-Unis et faire appeler un mémorandum pour la protection des droits des personnes LGBTI partout dans le monde. Celui-ci a été publié en février 2021. Le mois dernier, nous avons vu le rapport historique sur ce mémorandum et je vous encourage à aller le lire. Ce rapport souligne les efforts de 14 agences gouvernementales. Oui, 14 agences gouvernementales pour la mise en œuvre de ce mémorandum, y compris le travail de USAID. Lorsque l'on parle de politique et de loi inclusive, je voudrais vous parler de certains exemples d'USAID et de ce que nous avons et ce qui est présent dans le rapport.
Notre mission en Afrique australe soutient le renforcement des structures gouvernementales pour lutter contre les violences sexistes. Et très spécifiquement, un réseau soutenu par USAID qui a facilité la sensibilisation et l'éducation avec les familles et les structures religieuses pour sensibiliser aux droits des personnes LGBTI et réduire les attaques et crimes de haine contre les personnes LGBTI. Notre mission en Géorgie a fourni des services juridiques, entre autres, aux membres de la communauté LGBTI. Ceux-ci sont victimes de crimes de haine, de violence, de discrimination basés sur leur identité de genre et orientation sexuelle. En République dominicaine, USAID a soutenu un projet pour les LGBTI qui a permis la publication d'un premier rapport sur les droits humains et les personnes LGBTI dans les Caraïbes. Et ce rapport présente les discriminations auxquelles font face les personnes intersexes dans la région, y compris en zone rurale et dans la pauvreté extrême. De plus, en 2021, USAID a lancé avec un partenaire une première clinique compréhensive pour la communauté transgenre. Ces institutions sont un centre unique fournissant plusieurs services pour aider à la transition ainsi que des services de santé généraux, la thérapie d'hormones et les procédures chirurgicales, l'aide à la santé mentale, les préventions et l'aide contre les IST et autres protections juridiques, le tout dans un contexte sans préjudice. Nous suivons notre feuille de route mondiale LGBTI et je voudrais souligner que notre mise à jour politique soutiendra les efforts de partenariat. Nous consultons également toute une série de parties prenantes, telles que les organisations de société civile, pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui doit changer. Et pour finir, je voudrais vous renvoyer à deux documents directeurs qui ont été publiés par USAID sur l'inclusion des personnes LGBTI dans le développement. Le premier se concentre sur les considérations LGBTI et la résilience et les sécurités alimentaires. Et le deuxième se concentre sur l'intégration des considérations LGBTI dans les programmes d'éducation. Ces deux documents soulignent les défis et émettent des recommandations pour l'inclusion et font référence à des meilleures pratiques concrètes. Je suis très heureux de vous annoncer que cette semaine, USAID a lancé un nouveau module d'éducation en ligne qui se concentre sur l'intégration des considérations LGBTI dans les contextes de l'éducation. J'espère que vous aurez le temps de les consulter. Notre modèle a été conçu pour différents publics, que ce soit les experts, les gouvernements ou les activistes. Et étant donné les événements récents, j'espère que vous irez les consulter. Nous produisons aussi des formations pour s'assurer que partout dans le monde, l'équité LGBTI ainsi que nos programmes soient respectés. Il y a de nombreux autres exemples que je pourrais vous montrer aujourd'hui, dont le lancement de notre fonds mondial pour l'autonomisation des personnes LGBTI ainsi que l'inclusion des personnes LGBTI dans la démocratie, ce qui a été lancé en décembre dernier. J'espère que vous aurez le temps de consulter ces rapports et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je voudrais clore sur une citation. Notre travail est loin d'être terminé. Les droits humains des personnes LGBTI doivent être l'objet d'un effort gouvernemental dans notre société. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et j'aime beaucoup votre dernière citation sur l'approche du gouvernement entier. Nous parlons de lois, de règlements, mais bien entendu, il faut que ces services soient fournis et à disposition des personnes LGBTI. Et nous sommes très heureux de pouvoir l'entendre de la part de l'USAID. Je veux maintenant me tourner vers Tarek. Nous savons que Halem est la première ONG du monde arabe à travailler pour la justice et les droits égaux pour les personnes LGBTI. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quels sont les principaux défis de votre travail? Thank you.
so much for having me and for hosting this really important. Merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir organisé cette discussion si importante. Pour répondre à votre question, au cours des 20 dernières années, nous nous sommes concentrés sur les violations des droits civils et politiques dans la région, notamment la brutalité policière, les discriminations institutionnelles et dans les discours publics, ainsi que sur les marchés régionaux, ainsi que le manque d'accès aux opportunités. Cependant, lors des 2 ou 3 dernières années, quelques changements fondamentaux se sont produits, en particulier cette crise tripartite qui a traversé le Liban, tout d'abord avec la pandémie et les restrictions sanitaires qui ont frappé beaucoup de pays à travers le monde. Et en dépit de tout cela, le Liban continue de connaître une crise économique sévère et une récession marquée. Et nous avons également connu, bien sûr, les retombées négatives de l'explosion du port de Beyrouth, qui a eu des effets très forts sur nos communautés. Nous avons appris beaucoup de leçons ces dernières années, notamment. Il y a les effets économiques, mais également la manière dont les sphères du développement n'a pas répondu aux attentes des personnes LGBTI. J'ai dit cela parce que lorsque la crise a commencé, nous nous sommes rendus compte que nous étions face à une réalité avec des besoins humanitaires importants et des infrastructures en place qui n'étaient pas qualifiées pour fournir des services inclusifs aux personnes LGBTI. Je pense ici au logement, à l'accès à la santé, à l'éducation, au marché du travail, au Liban, mais également dans l'ensemble de la région. En 2020, par exemple, nous avions 500 personnes qui avaient signalé environ 1000 violations des droits des personnes LGBTI au Liban. En 2021, pardon, nous avions plus de 3000 violations. Le niveau de chômage des personnes LGBTI au Liban est de environ 80%. Et 90 à 93% de l'aide que nous fournissons va vers des soins de santé, des soins d'urgence, des logements d'urgence et notamment des soins de santé mentale. Notre travail à l'heure actuelle consiste à encourager des réformes législatives, mais également à fournir des services essentiels. Et tout cela retombe sur les épaules de petites structures sous-financées qui n'ont pas assez de ressources humaines. Mais malheureusement, ces petites associations souvent n'ont pas les moyens de répondre à tous les besoins de la communauté et ont également des problèmes sécuritaires. Tout cela rend la vie difficile à beaucoup de ces organisations qui essayent à la fois de faire changer le statu quo et d'avoir un effet sur les lois en place. Mais très souvent, tout cela n'est pas possible parce que ces associations doivent prioriser les besoins urgents des communautés. Donc, le Liban est l'exemple à ne pas suivre, pour ainsi dire. Nous sommes un petit pays, notre population est assez petite. Mais imaginez si une crise humanitaire allait frapper un pays plus peuplé, l'Égypte, par exemple. Et il est très clair qu'il n'y a rien en place et que les organisations qui existent ne sauront pas répondre aux besoins. Si l'on souhaite que personne ne soit laissé pour compte, nous devons commencer par le début, c'est-à-dire s'assurer que les personnes aient accès aux services essentiels, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et il semblerait que cela doive encore être concrétisé. Merci encore une fois, Tarek, de nous avoir
parler de l'importance du renforcement des capacités des ONG. Et en effet, il est important également que tous ces crimes soient signalés. Trop souvent, nous n'avons pas accès à ce type d'informations. J'aimerais faire un deuxième tour de table, mais nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je vais vous donner juste une minute pour répondre. Je vais continuer avec vous, Tarek. Que peuvent des institutions telles que la Banque mondiale faire pour vous aider à réduire les défis auxquels font face les personnes LGBTI en matière d'inclusion? Bien, tout d'abord, j'aimerais dire que la Banque mondiale est dans les bonnes voies en matière de données sur l'inclusion. Il y a eu des études qui ont été menées, mais on ne s'est pas assez concentré sur ce que font les personnes LGBTI par rapport à, et non pas ce qu'elles devraient faire. Il est important de regarder l'impact des efforts de plaidoyer qui ont été faits, mais également envisager les choses de manière horizontale et pas seulement verticale. Regardez l'effet sur les droits économiques et sociaux, par exemple, en matière de logement, de sécurité sociale. Nous avons obtenu beaucoup de résultats. Il y a des espaces qui étaient inaccessibles par le passé, qui sont devenus accessibles pour nous maintenant. Je pense ici à la décriminalisation, mais également le cadre de développement pour l'inclusion des personnes LGBTI dans ces droits économiques et sociaux. Et pour ce faire, nous travaillons avec d'autres organisations qui ont le même objectif que la nôtre. Merci. On le fait déjà dans une certaine mesure avec notre cadre environnemental et social, mais bien sûr, nous devons redoubler d'efforts. Je passe maintenant à Nazli. S'il y a une chose que vous aimeriez que le gouvernement du Kosovo fasse pour améliorer l'inclusion, quelle serait-elle? Je pourrais penser à plusieurs choses, mais je vais me concentrer sur trois points. Soutenir les initiatives de la société civile et du gouvernement pour accroître la capacité des mécanismes de sécurité, pour améliorer les capacités des mécanismes législatifs et également soutenir les deux grands projets de loi et de code civil, et ainsi que la stratégie et le plan d'action sur les questions de genre, de minorité et LGBTI. Voilà, pour à mes yeux, ce sont les priorités. Merci, merci pour vos réponses. En effet, ce sont trois points succincts, mais qui sont très importants. J'ai ensuite... Que faire pour promouvoir les droits relatifs à l'identité sexuelle et à l'identité de genre et l'orientation sexuelle? Merci. Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait un système de suivi dans les différents secteurs. Et je crois que c'est quelque chose sur quoi on s'améliore de plus en plus. They are norm builders and norm fortifiers. They also play Les personnes LGBTI jouent un rôle central dans l'élaboration et la révision des lois. LGBTQI+ considerations to their mandates, their programmatic efforts, their staffing, whether they focus on human rights. Que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, de l'assistance humanitaire ou du développement, des progrès sont en cours. Les organisations internationales peuvent faire des analyses et des recherches qui sont essentielles pour
voir comment il convient d'avancer et de fournir ce soutien, si nécessaire, aux communautés LGBTI. Merci, merci pour votre réponse. En effet, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Passons maintenant au sondage. Protection contre les crimes de haine est ressortie en premier. En effet, c'est très important. Si l'on n'est pas protégé, on n'est pas en sécurité. Est-ce qu'il y a une deuxième place? Ok, donc il semblerait que l'on ne cite que la première réponse. Ah, numéro deux, c'est l'éducation. Encore une fois, pas très étonnant parce que sans capital humain, on ne peut pas contribuer. Continuons avec une question qui est arrivée pour Nazli. La question est la suivante. Que fait le gouvernement du Kosovo pour adopter un nouveau code civil qui permettrait aux couples homosexuels de se marier civilement? Question très directe, très claire. Oui, alors le projet de code civil a été envoyé au Parlement pour débat. Nous avons consulté des experts du groupe de travail, ceux qui ont rédigé le code civil, et donc nous allons envoyer à nouveau au gouvernement et au Parlement une nouvelle version, et cette fois on est à 99% assuré que ce code civil va être adopté par le Parlement. Et cette fois-ci, les droits humains sont mieux définis dans le cadre de ce code civil. Il y a davantage de dispositions dans ce code civil, notamment la codification des lois et des droits pour les personnes LGBTI qui vont être régis par cet instrument spécifique. Le but ici, c'est d'œuvrer pour les droits des personnes LGBTI, mais également d'autres, pour ceux d'autres minorités. Merci. Autre question. Que conseillerez-vous à d'autres pays qui voudraient faire la même chose? Mais comme je l'ai dit, ce travail n'a pas été facile. Et ce sont des sujets qui restent des tabous dans la société en général. Mais nous avons fait changer les choses. Il nous a fallu plusieurs années pour travailler sur ce projet de code civil. En effet, il y a tout un débat pour et contre les droits des personnes LGBTI à l'heure actuelle au Kosovo. Mais ce débat n'a pas seulement lieu au Kosovo, on le voit également dans les pays les plus développés. Il y a des discriminations, l'homophobie qui sévit. Donc nous allons poursuivre ce débat. Il est important que ce débat n'ait pas seulement lieu sur le plan politique, mais également sur un plan local. Les croyances de certains groupes à l'encontre des personnes LGBTI doivent être contestées, doivent être remises en question par le débat.
Donc, nous avons justement eu cette grande discussion, ce grand débat, et cela n'a pas suffi. Nous devons continuer à progresser dans cette discussion dans d'autres secteurs de la société. Et j'aimerais également rappeler que nous sommes arrivés à ce code civil grâce à un esprit de collaboration dans le pays. La société civile est toujours invitée à participer au groupe de travail au Kosovo pour partager ses connaissances et ses expériences afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les débats et la discussion représentent vraiment la voie à suivre pour concrétiser les objectifs que l'on s'est fixés. Extrêmement utile, extrêmement clair. Et j'aime aussi la partie sur les partenariats avec les OSC et le travail au niveau communautaire. Merci beaucoup pour avoir souligné ces points. Je voudrais maintenant me tourner vers Jay. C'est une question très vaste, donc je vous donne la capacité de répondre uniquement à, en parlant de deux points. Pourriez-vous partager les bonnes pratiques de votre dialogue avec les pays? Oui, eh bien, je dois dire, premièrement, dans tout notre travail, nous avons certains principes que nous gardons en tête. Premièrement, ne pas nuire. Et deuxièmement, rien à notre sujet sans nous. Nous voulons nous assurer d'être en contact avec les communautés locales et de pouvoir discuter de leurs besoins, de leurs souhaits, pour que lorsque l'on a des discussions traitant de leur soutien, nous puissions soutenir ces efforts et que nous puissions avoir des discussions ensuite après avec le gouvernement pour soutenir les personnes LGBT dans cet endroit donné. Donc, nous voulons nous assurer de co-créer et de montrer aux partenaires locaux que c'est à eux d'établir les stratégies, les priorités, les besoins et d'utiliser l'USAID comme soutien. Nous le faisons pour nous assurer que au sein de USAID, nous soyons toujours en contact avec les communautés locales, de comprendre leurs besoins et continuer le dialogue. Et ainsi, nous pouvons l'intégrer dans notre stratégie nationale pour le développement et l'assistance au développement de l'USAID. Et ainsi, nous pouvons nous assurer que nous travaillons avec ces gouvernements pour nous permettre d'apporter une assistance qui inclut les personnes LGBTI. Very clear, straightforward. Merci, très clair, très direct. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers Tarek. Nous avons une question de Odisha en Inde. Comme vous le savez, en Inde, il y a un système de caste qui est extrêmement complexe. Et les personnes LGBTI font face à de nombreux défis, notamment ceux de la caste d'élite. Quel serait votre conseil aux personnes LGBTI de la communauté de Delhi? Vous pourriez peut-être utiliser votre expérience du Moyen-Orient. Eh bien, merci. Je ne connais pas le système de caste en Inde, mais je sais que les membres de différentes communautés sont victimes de violences et discriminations. Nous avons un système similaire ici, basé sur les différences économiques et sectaires. Et au Liban, il y a également 1 million de réfugiés syriens. Et ce qui crée le plus de violence inclut le plus souvent les communautés de réfugiés ou LGBTI qui représentent la plus grande proportion de victimes de violence. L'un des problèmes clés que nous avons pu observer est très semblable à ce que Jay a dit. Rien à notre sujet sans nous, ce qui veut dire sans intégrer les communautés dans tous les aspects du processus de prise de décision et dans tout le travail qui est fait sur le terrain, on ne peut espérer faire que très peu de progrès. Ceci signifie que nous devons travailler en consultation, intégration constante avec les communautés que nous servons et nous avons une responsabilité qui est d'élever les voix qui ont été volontairement silenciées lors de notre processus de création de politiques ou de programmes.
Mais aussi pour les données que nous utilisons pour influencer les politiques ou pour la communication avec les différentes parties prenantes internationales telles que la Banque mondiale ou autres organisations qui jouent un rôle plus ou moins grand à cause de la transition politique et économique en cours au Liban. Nous avons besoin d'un effort conscient d'intégrer toutes ces voix dans chaque aspect du processus, sans quoi nous ne pouvons pas espérer avoir un impact durable fait sur le terrain. Let me push you a bit further here, Tariq. Je vais maintenant pousser un petit peu plus loin, Tariq. C'est une autre question qui est plus ou moins liée et qui porte sur l'intersectionnalité de la SOGI et de l'ethnicité. C'est un peu comme délié à l'LGBTI. Donc, comme vous le dites, l'inclusion est importante partout. Mais comment faire? Comment prendre en compte l'inclusion qui peut être déjà difficile avec un problème, mais là, c'est pour des problèmes triples. Comment assurer l'inclusion dans un tel environnement? Eh bien, tout d'abord, nous devons reconnaître qu'il y a différents environnements dans lesquels nous pouvons travailler et pas un seul environnement unique où toute l'inclusion doit être intégrée au même moment. Il est très important d'avoir une stratégie éclairée pour aller de l'avant et de comprendre que de nombreux individus font face à un manque d'inclusion dans les communautés, y compris la communauté queer. Donc, notre travail n'est pas uniquement de travailler pour les droits de tous avec le gouvernement et ou avec les parties prenantes internationales ou les réfugiés à intégrer dans les communautés existantes, les communautés hôtes, et nous assurer qu'ils travaillent ensemble et se soutiennent les uns les autres pour faire face aux abus et aux discriminations et à la violence systémique. Okay. Mais il faut également reconnaître qu'ils ont une vulnérabilité spécifique en plus qui doit être prise en compte. Et ce qui compte donc, c'est de le reconnaître. Donc, une chose que nous avons fait et sur laquelle nous avons vraiment insisté, c'est de dire qu'il doit y avoir une répartition équitable des ressources. Nous avons travaillé très dur pour s'assurer que ces ressources soient disponibles pour tous et qu'il y ait un environnement dans lequel ils savent avoir les capacités, avoir la possibilité de dire ce dont ils ont besoin et de mettre l'emphase sur ce qui doit être mis en évidence. Merci. Je vais rester sur cette série de questions difficiles et me tourner maintenant vers Jay. Qu'en est-il de l'Afghanistan? Qu'en est-il des situations où la société civile a des difficultés à trouver des manières d'aider les personnes LGBTI à quitter l'Afghanistan, par exemple, et n'ont pas accès au soutien? Quelle réponse pouvons-nous apporter? Oui, en effet, l'Afghanistan est une situation extrêmement délicate, notamment en termes de réponse USAID. Notre réponse à cette crise, c'est un autre exemple récent. Récemment, nous avons aussi l'exemple de l'Ukraine qui nous montre que la réponse humanitaire, comme l'a dit Tariq, doit être faite par secteur et nous devons nous assurer de mieux réagir face aux difficultés auxquelles font face les personnes LGBTI dans ces situations de crise. Et que nos collègues de l'humanitaire doivent savoir les traiter. C'est un problème très spécifique et dans ma position, je me concentrerai dessus dans les années à venir et je travaille avec nos collègues du front humanitaire au département d'État des États-Unis et à l'USAID et nous essayons de nous assurer de trouver des manières de fournir des listes de contrôle, des formations pour ceux qui travaillent dans l'aide humanitaire, pour s'assurer que ceux-ci comprennent les défis et besoins des personnes LGBTI en situation de crise. Et je sais que l'Afghanistan est un exemple parmi tant d'autres ces dernières années, ce qui nous montre que nous devons nous concentrer avec beaucoup de détermination pour s'assurer qu'il y ait une vraie inclusion dans ce secteur. Mais sans aucun doute, l'Afghanistan
est une situation extrêmement complexe et difficile, non seulement pour les personnes LGBTI, mais en particulier pour les personnes LGBTI qui ont leurs propres défis et leurs propres besoins en Afghanistan. Merci. Merci. Merci pour cette réponse honnête et sincère et cet appel à inclure plus les SOGI dans l'assistance humanitaire. C'est un point d'entrée très important pour les communautés. Il me reste deux questions. La première est plutôt une déclaration, donc je vais maintenant poser une autre question à Tarek sur le travail que vous faites pour enregistrer la violence homophobe. Qu'est-ce qui peut être fait pour s'assurer que les ONG apprennent les unes des autres et comment cela peut être mis en place? Et là, c'est une autre question. Comment est-ce que la Banque mondiale pourrait travailler pour effectuer cela? Les ESC peuvent jouer un rôle très important dans la collecte de données, mais où peuvent-elles obtenir les ressources pour ce faire? Très souvent, il est difficile pour les gouvernements de le faire. Comme l'a dit Clifton, il n'est pas facile de collecter des données sur les personnes LGBTI. Donc, quel conseil auriez-vous pour le financement à ce sujet? Donc, le partage de connaissances ainsi que la collecte de données. Et vous n'avez qu'une minute parce que nous avons une allocution de clôture. Eh bien, très brièvement, une des raisons pour lesquelles nous avons réussi à avoir du succès et collecter autant de données, c'est que nous utilisons différents services et différents fournisseurs de services et une organisation de plaidoyer. Les membres ne viennent pas juste pour revivre leur trauma. Il faut qu'ils aient quelque chose, qu'ils en tirent quelque chose. Je ne dis pas que c'est une transaction, mais je dis qu'il faut montrer que l'on est là, que l'on écoute, que l'on est là sur le terrain et que l'on veut traiter des problèmes des LGBTI. Et il faut comprendre ce qui se passe vraiment. Et avec ces données, on peut ensuite donner des données probantes pour le plaidoyer. Et pour le partage d'informations, il faut un investissement sérieux dans les institutions menées par les personnes LGBTI. S'il n'y a pas d'institution dirigée par la communauté ou ayant le mandat pour travailler avec cette communauté et pour ainsi leur fournir la protection et une assistance basée sur le besoin, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Il faut également redoubler d'efforts pour les financements et donc mettre en exergue le partage de connaissances régionales et internationales, non seulement pour aider les organisations, mais aussi de fournir des espaces pour le partage de connaissances, notamment dans le Sud. Merci. Merci, je vois du potentiel pour le développement sur certains points. Merci, merci beaucoup et merci pour tout votre travail. Merci pour vos excellentes présentations. Je pense que l'on pourrait continuer. Il y a d'autres questions, mais malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre à toutes. Juste, Jay, très brièvement, si vous pouviez partager la stratégie nationale pour le Ghana et si vous ne pouvez pas le faire maintenant, peut-être que nous pourrions le partager dans un autre forum. Je voudrais maintenant me tourner vers le directeur national pour Tanzanie, Zambie, Malawi, et j'espère ne pas avoir oublié le pays, le Zimbabwe. Mara, bienvenue Mara, vous avez la parole. Merci beaucoup Louise. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça a été une réflexion de pouvoir entendre les différentes perspectives sur le thème de l'inclusion et l'impact en particulier des pratiques et législations sur les personnes LGBTI partout dans le monde. Comme l'a dit Louise, je suis Mara Warwick, directeur national pour Tanzanie, Malawi, Zambie et Zimbabwe à la Banque mondiale. J'ai l'honneur et aussi la difficulté de clore et de résumer cette discussion très riche que nous avons eue aujourd'hui. Donc, très rapidement, mon opinion. Premièrement, je pense que nous avons entendu aujourd'hui via les présentations sur le rapport Éco-SOGI, mais également des présentations, notamment celle de Nazli du Kosovo, qu'il est extrêmement important d'avoir une bonne structure juridique pour pouvoir souligner la participation et les opportunités égales pour toutes et tous.
Nous savons que la participation égalitaire nécessite que les personnes soient traitées de manière égale au regard de la loi. Et nous avons vu différents éléments de cette fondation juridique pour s'assurer qu'il y ait l'inclusion économique et sociale pour les minorités sexuelles et de genre. Au cours des discussions, bien entendu, nous avons entendu l'exemple du Kosovo, l'exemple du Liban, ainsi qu'un plan de développement plus étendu de l'USAID, de la Banque asiatique de développement et de la Banque mondiale. Le système est donc très important, mais ce que nous avons entendu également, et j'ai été frappé par cela, par le fait que notre collègue de Kosovo ait insisté sur l'importance de la mise en œuvre. Les lois à elles seules ne suffisent pas. Il est très important de mettre en œuvre ces lois et que les personnes soient libres de discrimination en pratique et non seulement en théorie. Donc, tous les panélistes venant de gouvernement, de société civile ou de la communauté de développement, au cours de leurs interventions, de leurs discussions, nous ont vraiment montré l'importance de la collaboration de tous les groupes et de travailler également avec la communauté. J'ai fortement apprécié l'idée « rien à notre sujet sans nous » et c'est un élément fondamental pour nous assurer que tous ceux qui travaillent ensemble, mais travaillent également avec la communauté qui doit être impliquée. Personnellement, j'ai travaillé en Asie, en Europe de l'Est et en Afrique. Et dans chacune de ces régions, je dois dire qu'il y a différents défis pour les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexes en fonction de leur identité de genre ou orientation sexuelle. Nous voyons que les lois peuvent changer fortement en fonction des régions. Malheureusement, certaines lois criminalisent encore ces personnes. Et nous avons l'exemple excellent du Kosovo. Il y a des lois qui protègent. Donc, il y a une très forte variation partout dans le monde, y compris dans la région africaine où je travaille actuellement. Au même temps, je pense que ce qui est très important dans ces discussions et au cours des autres discussions, c'est de mettre en évidence les progrès qui sont faits. Donc, quelques exemples de la région Afrique. En 2020, par exemple, des parlements décriminalisaient les actes sexuels entre couples du même sexe au Gabon, le Mozambique en a fait de même, le Botswana a également connu une décision juridique à cet égard en 2019. Donc, nous voyons au fil des dernières années des progrès progressifs être réalisés sur ce point. En termes de mise en œuvre et du côté de la Banque mondiale, Louise en a déjà parlé, mais nous avons un outil important qui est le cadre environnemental et social de la Banque mondiale. C'est un angle d'attaque pour déclencher des discussions et pour voir comment la banque et les autres partenaires au développement peuvent promouvoir l'inclusion des droits des personnes LGBT et faire cela en ayant une posture proactive. Quand nous travaillons ensemble en tant que partenaires au développement, comme c'est souvent le cas dans cette partie du monde, nous avons une manière de nous rassembler dans ce cadre et de manière positive pour assurer l'inclusion de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. L'ESF est une bonne manière de créer un espace pour ces discussions et pour s'assurer également que les projets atteignent leurs objectifs. Il y a également la question des services et s'assurer que
l'identité de genre et l'orientation sexuelle fassent partie intégrante des différents éléments tels que accès au logement, à l'éducation, aux soins de santé, etc. Donc, nous devons nous assurer que tout projet qui soit mis en place prennent en compte l'inclusion de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Nous savons qu'il persiste des défis importants et nous savons très bien que la pandémie de COVID-19 a aggravé les choses à cet égard parce que nous avons vu dans beaucoup de parties du monde une augmentation de la violence pendant la pandémie. Et nous devons vraiment essayer de nous concentrer sur la meilleure manière de prévenir la violence. C'est une priorité importante pour la Banque mondiale dans la région Afrique. Mais ce sont des questions qui existaient déjà avant la pandémie, certes, mais il y a également certaines choses qui sont devenues plus compliquées en raison de la pandémie. Donc, en tant que communauté mondiale, communauté de développement, en tant que Banque mondiale, autres partenaires, nous devons reconnaître que ce moment est important parce qu'il est temps maintenant de réfléchir à ce que nous pouvons faire de mieux. Nous avons entendu nos trois panélistes, Nasli, Jay et Tarek. J'ai beaucoup appris de leurs interventions et il y a beaucoup d'idées qui ont été avancées en matière de mise en œuvre, notamment qui ont été très utiles parce qu'il est important de s'assurer que tout cela fonctionne lorsque l'on exécute des projets. Donc, merci encore une fois à tous d'avoir participé. Merci à Louise de m'avoir invitée également. Je suis persuadée que mon équipe va continuer de bénéficier de ce qui a été dit aujourd'hui dans son travail et nous allons continuer de faire de notre mieux pour promouvoir l'inclusion de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre dans l'ensemble de nos activités. Merci beaucoup, Mara. Merci pour votre travail et votre engagement. J'aimerais également remercier tous les participants. Cette discussion a été très riche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour commémorer cette journée internationale. On a parlé de la priorité numéro un ici, c'est-à-dire la décriminalisation, mais on a également parlé de l'élargissement des droits des personnes LGBTI à travers le monde aujourd'hui. Merci beaucoup à tous pour votre engagement. Merci pour votre participation. Et continuons d'avancer petit à petit. Merci. Merci, bonne journée.